Bonjour à tous. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais m'excuser de ce contretemps. Nous démarrons le direct de méditation en famille avec un petit peu de retard. Nous avons eu un petit problème technique et c'est pourquoi j'apparais toute seule à l'écran alors que Eric devait être avec moi dans cette méditation en famille. Mais rassurez-vous, dès que j'aurai terminé la première partie de la méditation, eh bien lui, Eric, il lancera aussi son direct pour vous rejoindre sur Émergence Éducation et ainsi faire la deuxième partie de la méditation en famille. Alors, je vous laisse quelques instants pour nous rejoindre. Et j'espère que vous n'êtes pas parti trop loin. En ce dimanche matin, je me réjouis de partager cette méditation avec vous tous. Aujourd'hui, eh bien, nous allons commencer par porter notre attention sur les sensations du corps. Alors, les sensations, c'est un drôle de mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les sensations, c'est tout ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Ça peut être des sensations de chaleur, des sensations, des petits mouvements, des petites choses qui sont agréables, qu'on aime bien, qui nous font du bien, mais aussi des sensations qui sont désagréables, qui nous mettent mal à l'aise. Donc aujourd'hui, on va essayer d'observer toutes ces sensations qui sont dans notre corps. Alors, je suis sûre que vous êtes déjà allé dans un parc d'attractions ou au moins déjà monté sur un manège. Et ben, on peut dire que les manèges et les parcs d'attractions, bien, sont des lieux où on a des sensations fortes. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous proposer de faire l'expérience du manège, mais simplement en restant ici, dans cette pièce, avec notre corps. Vous allez voir que notre corps peut être comme un manège et peut nous permettre d'observer des sensations. Alors, je vous invite à vous asseoir. Si vous êtes confortable assis comme moi sur un tapis ou sur un coussin, eh bien, installez-vous en tailleur sur ce tapis ou sur ce coussin. Si vous préférez vous asseoir sur une chaise ou sur le bord d'un canapé, eh bien installez-vous sur cette chaise ou sur ce canapé avec les pieds bien posés devant vous à plat. Ainsi assis, eh bien mettez votre dos, tenez votre dos plutôt droit, mais pas trop raide, droit, digne. Vous êtes heureux de faire la méditation. Les épaules plutôt relâchées vers le bas, les mains posées sur vos genoux et la tête avec le menton légèrement rentré, mais bien droite elle aussi, comme si on vous tirait avec un petit fil, mais sans raideur, hein, sans difficulté, avec beaucoup de souplesse. Mais voilà, vous êtes digne et vous êtes heureux de faire la méditation avec nous. Beaucoup de joie à l'intérieur ce matin. Quand je sonnerai les clochettes, eh bien, la méditation pourra commencer et alors on essaiera de ne pas parler pour ne pas déranger les autres personnes qui font la méditation avec nous aujourd'hui. Et on pourra échanger à nouveau. Quand les clochettes retentiront à nouveau, eh bien, ce sera le signe que la méditation est terminée et qu'on peut alors échanger sur ce qu'on a ressenti comme sensation. Vous êtes bien installé, vous êtes dans une posture agréable, confortable. Les clochettes étaient pressées de commencer ce matin. Pour la méditation du manège des sensations, attention, c'est parti. Je vous invite à placer vos deux mains devant vous, devant votre visage, comme si vous étiez installé dans un manège avec les portes du manège bien ouvertes devant vous. Observez les sensations dans vos mains. Ressentez-vous quelque chose?
petits mouvements, des petits tremblements. Observez bien. Peut-être pas grand-chose. Peut-être que là, on a des sensations un peu basses. À présent, je vous invite à fermer la porte du manège et à venir appuyer la main droite sur la main gauche et la main gauche sur la main droite. Observez les points de contact entre les pouces et chacun des doigts des deux mains. Et observez ce que vous sentez dans ce contact. Est-ce que vous sentez davantage le pouce, les auriculaires, ou est-ce que vous sentez les paumes en contact? Est-ce que sentez ces forces qui appuient les deux mains l'une contre l'autre. Observez bien. Peut-être sentez-vous une lourdeur dans vos bras, dans vos épaules, une fatigue dans ces portes de manège. Observez bien ce que vous ressentez. À présent, le manège va démarrer. Je vous invite à frotter d'abord doucement les deux paumes de vos mains. À les frotter l'une contre l'autre et à observer les sensations. Peut-être le glissement des mains l'une sur l'autre, le bruit que ça fait, et puis le manège s'accélère. Je vous invite à frotter vos mains de plus en plus fort, de plus en plus vite. Observez bien. Écoutez le frottement. Sentez-vous comme une chaleur qui monte? Laissez le manège s'envoler en plaçant vos mains l'une devant l'autre. Et observez toutes les sensations dans vos mains, dans vos doigts, des petits mouvements peut-être, des ondulations, des fourmillements dans les paumes, dans les doigts. À présent, de la lourdeur peut-être dans les bras. À présent, posez les deux mains sur les cuisses. Laissez le manège s'arrêter et observez encore les sensations de vos mains. Sentez-vous encore la chaleur? Sentez-vous quelque chose dans vos bras? Observez le contact des mains sur les genoux. Et puis, je
vous invite à étendre votre attention sur tout votre corps, non seulement les mains, les bras, mais aussi le ventre, la poitrine, où vous trouverez peut-être les sensations de votre respiration. Et restez dans cette attention portée au corps jusqu'à ce que vous entendiez de nouveau les clochettes. Voilà, la méditation du manège des sensations est terminée. C'est peut-être le moment de prendre un petit temps entre vous pour exprimer, pour partager les sensations que vous avez eues dans votre corps dans ce tour de manège. Est-ce que ces sensations, c'était plutôt des petits mouvements, de la chaleur? Est-ce que c'était agréable, désagréable? N'hésitez pas à partager ce que vous avez ressenti. Et peut-être que vous vous rendrez compte qu'en faisant la même expérience, les uns et les autres, eh bien, on n'a pas les mêmes sensations, on ne ressent pas les mêmes choses. Voilà, la méditation est terminée pour aujourd'hui. Je vais passer la parole à Eric qui va lancer lui-même son direct et qui va prendre le relais. Bien sûr, tout le monde est invité à continuer, mais si les plus jeunes ou ceux qui ont envie d'arrêter, eh bien, c'est le moment de quitter la méditation pour ne pas déranger ceux qui voudraient continuer. Je vous dis à bientôt. Je pense que mercredi 12 mai, on se retrouvera encore pour une méditation en famille. Je passe la parole à Eric.